Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce mercredi. Nous serons le 27 décembre et on prendra la direction de cagnes sur mer pour un Quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix de la Bourgogne, c'est Handicap deuxième épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 4000 mètres à parcourir sur les haies et ils seront 14 au départ de la course. Oui, j'insiste bien pour vous dire que c'est bien un Handicap deuxième épreuve qui sert de support au Quintet. Puisque malheureusement la première épreuve n'a pas réuni assez de partants, ce qui est rare pour être souligné. Et donc ici bah, on se rabat sur cette deuxième épreuve. Alors quelles seront les différences bah, C'est que les chevaux initialement qui pouvaient avoir des décharges avec leur jockey de 1,5 kg bah, ne l'auront pas, puisque c'est une course support de quintet et il n'y a pas de décharge dans les plus. Donc ce qui peut handicaper quelques candidatures ici euh, dans cette course qui au préalable dans cette seconde épreuve avait des, des, belles, à, des belles cartes à jouer. Donc euh, voilà, un quintet qui. Euh, potentiellement hein, peut nous réserver des peut-être quelques petites surprises à noter que c'est le tout dernier quintet hein, de l'année 2023 en obstacle comme d'ailleurs ce fut le cas aujourd'hui ce mardi euh, auquel c'est le dernier quintet de galop de l'année 2023 tout le reste de la semaine ça sera des quintets à Vincennes euh, au trop juste avant de vous donner mon pronostic euh, eh bien n'oubliez pas de liker la vidéo de partager la vidéo de commenter également la vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes sept préférés dans ce quatrième, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'estime que tous les chevaux sont capables de terminer au moins cinquième. En tête, j'ai retenu le numéro 11, Château Yogour, le pensionnaire de M. Jean-Raymond Breton, la monte de Jean-Baptiste Breton. C'est un qu'on ne peut pas reprocher grand-chose jusqu'à présent. Il vient de se classer quatrième de la course référence du 11 décembre dernier dans le prix de Cardiff, où il était battu par Great Finning et baseball Best baseball Best qui va le retrouver ici. Il terminait plaisamment à la quatrième place, il faisait une belle, une belle fin de course. Alors ici, malheureusement, il n'aura pas la, la décharge. Euh, C'est un petit peu dommage. Mais euh, c'est un choix qui, pour moi, euh, a de la qualité euh, suffisante hein, pour jouer un tout premier rôle. Euh, il a prouvé ces derniers temps qu'il était compétitif euh, dans, dans ce genre de handicap. Euh, on sait que la famille Breton euh, aime bien, euh, sont un peu, euh, à peu près sur place et aiment bien euh, gagner euh, leur course du côté de Cagnes-sur-Mer. Donc, euh, écoutez, avec euh, lui, euh, je pense qu'on peut partir en confiance, d'autant qu'il ne va pas porter énormément de poids euh, ici. Euh, ce qui peut être un avantage. En deuxième position, j'ai mis le 13 Baseball, le pensionnaire de Mathieu Pittard, la monte de Julien Coyer. Alors là encore, hein, Sacha qui n'aura pas la, la décharge, Donc, euh, puisque c'est un jeune jockey hein, qui va le monter. Le cheval s'est bien comporté hein, dans la course référence il s'est classé deuxième, battu euh, par Greg Feeling qui n'est pas présent. Euh, dans ce handicap. Euh, le cheval euh, ici aura l'avantage de ne porter que 69 kg en bas de tableau en 52 valeurs. Il a prouvé donc qu'il était compétitif et il ne lui manque plus qu'une victoire à ce niveau-là. Bon, avec un bon parcours, il a quand même tout à fait le droit de venir euh, s'imposer ici. En troisième position, j'ai mis le 12 Normande, la pensionnaire de Michael Serrore, la monte de Natanoi. Euh, C'est une jument qui avait bien couru l'année dernière hein, dans ce meeting, mais... Euh, plutôt du côté des réclamés, euh, mais euh, ces derniers temps, du côté de Fontainebleau, et notamment la dernière fois, le 12 décembre dernier, euh, dans un handicap, elle est de se classer euh, très bonne deuxième en terrain lourd. Euh, ici, d'ailleurs, euh, je n'ai pas précisé que le terrain sera a priori euh, très souple. À Collant, hein. la piste qui commence à être un petit peu euh, fatiguée et hachée. Hein. Euh, on arrive tout doucement à la dernière ligne droite hein, de ce meeting euh, d'obstacles. Donc, euh, donc voilà, mais je pense que ça va être à l'avantage hein, de Normande, tout comme également le rallongement euh, de la distance. Euh, une jument qui a l'air d'être à l'aise dans le sud-est de la France. Euh, certes, elle doit porter un petit peu de poids euh, par rapport notamment à ses dernières sorties, mais on la sent quand même un petit peu sur la porte ascendante. Et euh, je me dis que là encore en bas de tableau avec un bon déroulement de parcours, elle a tout à fait les, euh, également les moyens, hein, à belle cote je pense, de jouer au moins les belles places. En quatrième position j'ai mis le 3. Alit, le pensionnaire de Patricia Butel, Jean-Luc Bonnès, l'amant de Thomas Borin. À noter que c'est le tenant du titre hein, de cette course. Il avait remporté donc, cette course l'année dernière en 53 de valeur. Cette année il a un kilo de moins. Donc ce qui est plutôt intéressant. Et la dernière fois, malheureusement, il a chuté à un tour de l'arrivée, hein, alors qu'il était encore à l'arrière-garde. Euh, son jockey, pour l'instant, ne voulait pas le, le rapprocher. Bon, ici, on a fait appel à Thomas Borin, un cheval d'expérience qui adore ici le profil de cagnus sur mer Et lors de son avant-dernière tentative, il était quand même euh, bon deuxième hein, euh, dans un handicap tout à fait similaire. C'était Desire Forever qui s'imposait devant ses King of Run. Ces deux chevaux qui vont participer à la première épreuve du, du handicap. Donc, autant dire qu'ici, euh, on a mis tous les atouts de leur côté, avec euh, notamment le jockey Thomas Borin. Donc, euh, ici, euh, je vous invite à le reprendre, ce cheval, qui peut tout à fait jouer les, les tout premiers rôles. En cinquième position, j'ai mis le 4 dépendent le pensionnaire de Erwan Graal, la monte de Geoffrey Ray. Le cheval qui la dernière fois avait énormément de ressources hein, quand il avait chuté euh, dans la fameuse course référence hein, du 11 décembre dernier. Euh, où est-ce qu'il il serait classé où bah, Telle est la question. En tout cas, c'est un cheval qui semble encore avoir de la marge. Il reste sur auparavant deux victoires dans des handicaps, une à Auteuil et une en province du côté de Saint-Brieuc. Donc euh, c'est un cheval qui est vraiment en pleine forme actuellement. Il ne faut pas le condamner sur sa récente chute. Je vous invite à le reprendre. Euh, il est à l'aise ici à Cagnes-sur-Mer. Et euh, je ne serais pas surpris ici de le voir une nouvelle fois euh, se réhabiliter, en tout cas, pourquoi pas même pour les premières places. En sixième position, j'ai mis le 7 Capivari, le pensionnaire de Michael Seror, la monte de Bastien Marchand. Euh, c'est le doyen de cette course, hein, il est âgé de 11 ans, sachant qu'il sait entre guillemets lire et écrire. Il adore hein, ici cette piste de Cannes sur mer euh, c'est l'un des plus expérimentés. Il a couru 17 fois hein, sur cette piste, il a fait 12 fois l'arrivée c'est quand même assez extraordinaire et la dernière fois il s'est classé cinquième pour les enfin avec son nouvel entraîneur hein, Michael Seror. donc euh, il s'était bien comporté jusqu'au bout alors certes il peut pêcher un petit peu pour finir mais Finalement, quand on regarde sa situation dans le handicap, il n'est pas si mal placé que ça en 51 de valeur. Euh, C'est un chat qui fait toutes ses courses, qui est très régulier, qui a encore de l'envie hein, euh, du haut de ses 11 ans et en, en, encore une fois donné son maximum. Alors pour la gagne, ça peut être compliqué, mais on peut le garder hein, pour une quatrième ou une cinquième place. Et enfin en septième position, J'ai Milas, tonnerre de Dieu, le pensionnaire de Yannick Foin, la montre de Tanguy Andrieu. C'est le top weight hein, de cette course. Un chat qui nous revient du stipe où euh, il a peut-être un peu moins de marge. Euh, dernière fois, ça ne s'est pas très bien passé ici à Cagnes. Et euh, par contre, euh, à noter que dans les handicaps sur les haies, bah, le cheval a perdu euh, euh, 2,5 kg, ce qui est quand même intéressant. Euh, et sa précédente course à Cagnes-sur-Mer dans les handicaps, bah, c'était il y a un an ici même, sur une distance un peu plus courte, il s'était classé 7e, en 55,5 de valeur. Donc là, je me dis qu'en 53, en haut de la, pro de la deuxième épreuve de ce handicap, il a vraiment euh, des atouts nécessaires pour garder une 4e, 5e place. D'autant qu'il dépend d'un entourage qui sait toujours bien préparer ses chevaux ici à Cagnes-sur-Mer. Donc, Yannick Foy en l'occurrence. Je répète mon pronostic en chiffres le 11, le 13, le 12, le 3, le 4, le 7. Hélas, il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet. Ça sera mon favori, le 11 Château Yogourt. Je le trouve bien placé dans ce handicap. Et euh, la dernière fois, il m'a pas mal plu. Euh, attention à lui, hein, il peut mettre tout le monde d'accord. Et quant à mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire un 2 sur 4 des trois premiers de la sélection. Le 11, le 13 et le 12. sont trois chevaux en bas de tableau. Les codes seront assez intéressantes pour ces trois chevaux-là. Et, et je ne serais pas surpris hein, de les voir s'illustrer euh, en haut de, de l'arrivée. Donc euh, on peut avoir des beaux rapports hein, dans, dans ce quintet. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va revenir sur la belle victoire hein, ce jour de Noël, en ce lundi, euh, de Hannibal Tullery dans la course du Quintet. Il y avait un tout petit peu plus de 2 de, 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 de contre 1. J'espère que vous en avez profité. Le cheval a vraiment eu le, le bon parcours et il n'a pas forcément été inquiété euh, pour finir. Gagnant, je trouve, avec autorité. J'espère que pour ce mardi, Lombok JL, toujours du côté de Vincennes, va pouvoir. Nous confirmer cette série. Et pour ce mercredi, nous serons le 27 décembre. Et ben écoutez, je reste à Cagnes-sur-Mer et je pars dans la 8 course du programme. C'est le prix de la Picardie. C'est un handicap première épreuve de niveau liste de race pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 4000 mètres à parcourir et ils seront 11 au départ de la course. C'est cette fameuse course hein, qui aurait dû servir de support au KT, mais malheureusement, il n'y avait pas assez de, de partants. Mais je me suis rabattu quand même sur cette course avec le. Euh, 806 Mamix Passion, un choix euh, que j'avais déjà pris en pénalty la dernière fois dans le quintet hein, de 18 décembre dans le Prix Philippe Lorrain où il s'était classé très bon deuxième. C'était que face à ses contemporains de 4 ans. Là, il, a, il va affronter ses aînés pour la première fois. Donc on rappelle que cette pensionnaire de Yannick Foin la monte ici de Gaba Meunier. Euh, il le connaît bien et il s'est bien adapté à la piste qu'il découvrait hein, la, la dernière fois. Euh, le fait qu'il affronte ses aînés me dérange pas parce qu'à cette période de l'année, euh, ça devient moins handicapant. En début de saison, et euh, voilà, je trouve qu'il est très compétitif et il mériterait hein, de trouver son jour. Lui, qu'on ne peut pas reprocher grand chose dans les gros handicaps, donc le 806 Mamix Passion en réunion 1, course 8 du côté de Cagnes-sur-Mer. Voilà donc pour le penalty du jour, et on va conclure la vidéo avec le pick 5 du jour. Tout de suite, le jingle. 5 du jour donc de ce mercredi, nous serons le 27 décembre. Eh ben, écoutez, je viens d'en parler. Hein. Ça sera donc à cagnes sur mer dans ce prix de la Picardie en réunion 1 Course 8. Mais de base, ben, donc le 6, ma mix passion, hein. évidemment, euh, pour les raisons que j'évoquais dans la rubrique des penalties. Et le 3, rock'n'roll, un chat qui est très régulier, qui fait toutes ses courses, euh, qui avait fait, je crois, l'arrivée hein, de cette course euh, l'année dernière. Ou en tout cas, d'inquiéter ici même à cagnes sur mer Il reste une bonne sortie ici même en étant euh, quatrième. Euh, je pense hein, qu'il vaut. Largement un handicap de ce style. Mes associés, l'As, Cyrano de et Coco des Parker, qui est âgé de, de 10 ans, qui doit porter beaucoup de poids, hein, 72 kg, Il reste sur une victoire dans un handicap, pénalisé au poids. Mais Sacha qui adore également le profil de Cagne sur mer. Euh, certes, pour la victoire, ça peut être compliqué, mais il peut garder euh, une, une 4 cinquième 5 place. Ça sera déjà très très bien. Le 2 Iban Rock qui a remontré euh, du mieux hein, dernièrement. Euh, attention à lui, hein, c'est un, un bon cheval qui avait fait. Euh, pas mal l'arrivée de Quintet, notamment sur l'Hippodrome euh, d'Auteuil. Alors ici, il peut être un peu pris de vitesse sur ce profil de cagnot sur mer mais finalement, la dernière fois, euh, il s'est quand même pas si mal comporté euh, que ça ici même. Donc, euh, je compte sur lui pour euh, confirmer sa dernière prestation. Le 4 First Dream, qui vient de remporter euh, la course référence donc chez les 4 ans, dernièrement en devançant Mamix Passion et le roi David, euh, il a été pénalisé au poids, sa marche se réduit et il affronte ici ses aînés. Mais euh, on ne connaît pas forcément ses limites, donc attention quand même pour une place. Le 5 In Space, qui dépend toujours d'un entraînement redoutable, celui de Mathieu Pitard ici même. La montre Dylan Ubeda, il reste sur une victoire ici même. Euh, C'était dans une course à conditions. Il revient dans le handicap avec près de, de 3,5 kg de moins, ce qui est plutôt intéressant. Attention à lui, hein. euh, ici, il peut très bien faire. Le 7 Desire Forever, régulière, confirmée ici à Cagnes-sur-Mer. Je compte hein, sur elle pour une nouvelle fois s'illustrer. Et je termine avec le 10, le roi David. Euh, là encore, un hein, 4 ans qui l'affronte ses aînés. Mais à l'arrivée de la course référence, et comme j'étais logique, j'ai retenu ma mix passion et euh, first dream, il était logique de glisser également le roi David dans mon euh, champ réduit. Donc mes deux bases, le 3 et le 6, et mes associés, l'As, le 2, le 4, le 5, le 7 et le 10, en flexi 50%. Pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous c'était évidemment bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous eh ce mercredi pour l'étude du quintet de jeudi. Et donc, on va, comme je l'ai dit, hein, on va terminer l'année euh, sur les programmes de Vincennes, donc euh, pour les quatre derniers quintets de l'année 2023. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.